So let us stand as we welcome Brother Andrew first. Lèvons-nous alors que nous appelons frère Andrew premièrement. André. Presence once again. C'est un honneur d'être dans sa présence encore une fois. Amen. How many has been enjoying the meetings? Amen. Amen. We are enjoying the presence of the Lord. Nous apprécions la présence du Seigneur. And we want to say God bless you all this morning. Et nous voulons dire que Dieu vous bénisse. It is an honor to be in the house of the Lord. C'est un honneur d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Good to see everyone out here on a Friday morning. Et c'est bien de voir tout le monde ici vendredi matin. Amen. We've come this morning to say something to you from the message of the hour. If you have your Bibles today, we want to go to the book of Luke, the 16th chapter. We're going to look at a few places this morning. In Luke chapter 16. And then also Philippians chapter 3. And also 2 Corinthians 4. Amen. We want to say we appreciate the opportunity and invitation to be here this weekend from my brother Faustin. May God bless you. Amen. Been an honor to be here. Been a little special for me to, amen, to be here with dear friends, Brother Daryl and Brother David. When I first started traveling and preaching, these were my buddies, and they're still my buddies, and it's been a real honor to be with them. Amen. I appreciate these men of God that preach the message. Amen. And to all the brethren here in ministry, brethren, we say God bless you. Amen. St. Luke chapter 16, in verse number 16. The law and the prophets were until John. And since that time, the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. La loi et le prophète ont été jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé à chacun, et chacun use de violence pour y entrer. I want you to notice that every man presseth into it. Je veux que vous puissiez remarquer que chaque homme s'est pressé. In the book of Philippians, chapter 3, dans Philippiens chapitre 3, Philippians chapter 3 and verse number 13. Philippiens chapitre 3 verset 13. Amen. Brothers, if you could put the interpreter in my ear, would be great. Si vous pouvez mettre l'interprète dans mon oreille, ça va. Philippians chapter 3 and verse 13. Philippiens chapitre 3 verset 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting the things which are behind and reaching forth unto those things which are before.
Frère, pour moi, je ne pense pas même de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, en tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Now watch the word here that Paul uses. Voyez le mot ici que Paul utilise. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. So every man presseth into the kingdom. Alors tout le monde court vers le royaume. And here we press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Et nous courons vers le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. Now in 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthiens chapitre 4, we're going to find out how do we press. Et nous allons voir comment est-ce que nous courons. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 13, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore I have spoken. We also believe, and therefore speak. Or, ayant le même esprit de foi selon qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. So the way we press forward, la manière dont nous courons, nous avançons, is we believe the word, c'est que nous croyons la parole, and we speak the word, et nous prononçons la in parole, the same spirit of faith. Dans le même esprit de foi. Let's bow our hearts together. Inclinons nos têtes Heavenly ensemble. Father, Père Céleste, we thank you this morning for your presence among us. Nous te remercions pour ta présence ce matin. Father, we invite you to come in the preaching of your word. Nous venons demandons que tu puisses venir dans la prédication Lord, may de you la take parole these things that you've laid up on our heart. Et que tu puisses prendre ces choses que tu as placées sur nos cœurs. Father, may you establish them in the hearts of your children. Et que tu les établisses dans le cœur de tes may you enfants. Anoint the speaker. Que tu puisses oindre may you anoint the interpreter. L'interprète. Father, may you anoint the congregation. Que tu puisses oindre l'audience. Lord, may we come into one mind and et one accord. Que tous nous soyons un même esprit. Father, may you bless the rest of the meetings, O God, with your presence. Do many mighty wonderful things among this church. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. And amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You may have your seats this morning. Vous pouvez vous asseoir ce matin. I want to speak to you for just a few moments here. Et je vais vous parler pendant quelques moments ici. On the bride's breakthrough. Et que sur l'accès de the bride's breakthrough. Ou l'accès de l'épouse. You know, I believe the time has come. Je crois que l'heure est venue for the believers to press. Pour que l'épouse puisse et le croyant de pouvoir avancer. When I say the time has come, quand je dis que l'heure est venue for the believers to press, pour que le croyant puisse avancer, that means we're not going backwards, cela veut dire que nous ne rentrons pas en arrière, but we're pressing forward. Mais nous allons à de l'avant. Brother Branham said we have to work together as one unit. Frère Branham dit que nous devons tous marcher comme une seule unité. We have to get our differences out of the way. On doit nous écarter de nos différences. We have to lay aside our doctrines and things. On doit laisser de côté nos doctrines and put our arms together et nous joindre les mains and press forward et aller de l'avant. See, and take the promise of God Almighty et has given us. Prendre la promesse de Dieu qui nous a été donnée. See, then we are not here et on alors, our own ability. Nous ne sommes pas ici sur nos capacités. But we are under a divine commission. Mais nous sommes sous une commission that divine. That divine commission et is to possess divine promises. C'est de pouvoir saisir de promesses. Brother Branham said a man that's commissioned of God, Frère Branham dit que l'homme qui est commissionné de Dieu, il regarde dessus et il regarde devant. See, you don't have to care what the world says. Ça vous importe peu ce que le monde He's dit. He's not listening to the world. Il ne regarde, il n'écoute He's pas le monde. He's got a divine commission from God. Il a une commission divine de Dieu. See, and he is enjoying Alors, the presence il est en train de se jouir de Listen, la présence I believe de Dieu. This weekend, et je crois que ce week-end, we are enjoying the company of the Holy Ghost. Nous sommes en train de nous aimer la présence de Dieu. Has been identified among us. Et sa présence est identifiée parmi Now, nous. When his presence comes among Et quand the church, sa présence vient à l'église, that makes the church become perseverant. Alors cette église devient persévérante. Now, do you know what perseverance means? Et vous savez ce quoi être persévéré? It means to be persistent. Cela veut dire être to make persistant a goal. Ou de faire un but. Brother Bram said, any man that ever amounted to anything, qu'un homme qui arrive à in faire any quelque chose dans tout âge, has been men who believed in ce God sont des gens qui ont cru en and Dieu had faith in God et qui ont la foi and en Dieu stood against the enemy on every side. Et ils se sont tenus
contre l'ennemi de tous côtés et ils étaient persévérants parce qu'ils ont cru en Dieu. Il dit que non, je crois que tout croyant devrait vraiment être persévérant. Aussi longtemps qu'il connaît qu'il vit au-dessus du péché et que le Saint-Esprit le bénit et il se tient avec lui, alors la persévérance est en train de pouvoir avancer vers l'appel du céleste. Alors chaque chrétien devait être de la sorte. Il devrait vraiment être persévérant à la manière dont Dieu l'appelle. Et je ne dis pas que nous ne sommes pas juste en train d'avancer vers quelque chose, mais nous allons vers quelque chose. Nous pressons vers l'appel du prix de l'appel céleste qui est en Christ Jésus. Alors, si vous devrez aller de l'avant, vous devrez oublier les choses qui sont en arrière et vous devrez aller dans l'identification complète. Nous ne sommes pas là pour pouvoir avoir des affaires des rétroviseurs parce que les rétroviseurs regardent en arrière de là où vous étiez, mais écoutez, nous regardons en avant de voir là où nous partons parce que nous savons là où nous étions, mais maintenant nous devons voir où nous partons parce que nous ne rentrons pas dans la justification, nous ne rentrons pas à la sanctification, nous ne rentrons pas au baptême du Saint-Esprit, mais nous allons jusque dans l'enlèvement. Écoutez, notre but c'est l'enlèvement, notre destination c'est le ciel, notre marque c'est le prix de l'appel céleste. Ne regardez pas au rétroviseur, oh il y a cela 40 ans, mais vous devrez regarder qu'est-ce qu'il y a ce soir. Regardez ce que l'Écriture a promis pour ce soir. Alors regardez ce que l'Écriture est promis pour ce jour. Donc il a promis les choses pour ce jour-là, mais nous vivons au-delà de cela parce que nous allons de l'avant. Nous ne regardons, nous rentrons pas en arrière, mais nous allons en avant. Et maintenant nous trouvons qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir avancer. C'est cela de pouvoir avancer. Jésus dit que la loi et le prophète c'était jusqu'à Jean, mais depuis ce moment-là, le royaume de Dieu est prêché. Maintenant, le royaume de Dieu est prêché et chaque homme est en train de pouvoir courir vers cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Le royaume est prêché et comme cela est prêché, et vous courez vers le royaume. Alors le mot persévérer là, c'est là utiliser et appliquer la force. Et dans le message poussé à bout, Brother Branham utilise ce texte de Luc 16:16. Il dit chaque homme court vers cela. Il dit pas seulement juste marcher vers cela très facilement, mais c'est Dieu, vous devrez courir vers cela. Et alors quand vous êtes poussé à bout, alors cette désespérance vous amène à pouvoir courir. Abraham dit que la loi et le prophète c'était jusqu'à Jean, mais dès ce moment-là le royaume des cieux a été prêché et le homme court vers cela. Et vous ne restez pas autour et vous dites que non, prenez-moi et puis amène-moi Seigneur. Non, vous devez courir vers cela. C'est entre la vie et la mort. Maintenant je crois que nous sommes en train de suivre un prophète confirmé, et je crois que nous sommes en train de suivre un prophète qui a vu le négatif et il peut voir le positif. Et je crois qu'il peut regarder le gens, l'audience, et il peut voir le négatif et comme il peut voir le positif. Maintenant je peux dire ceci: il a utilisé cette capacité divine de pouvoir voir le négatif et le positif pour donner le gens pouvoir croire la parole qu'il est en train d'apporter à l'église. Et dans 1950, Frère Branham arrive à une prédication, il y prêche « Montre-nous le Père » et cela nous suffit. Frère Branham dit « Voyez, écoutez » et il dit « Ne doutez pas, juste ayez la foi à croire »
believe et je crois that God's going to que give Dieu us a breakthrough va nous donner tonight. Une grande ouverture he said, ce I soir. Believe je crois that God que Dieu is going to give va us nous donner a breakthrough tonight. Une ouverture he said, ce I soir. Believe je it's crois on the audience. Que c'est là devant See, vous l'audience. More than just c'était a plus une juste un dit. Mais je crois que c'était une prophétie. Je crois qu'un prophète voyait qu'il pouvait voir une ouverture de l'église. Alors tous vous savez que frère Branham pouvait voir des démons. Il pouvait voir des l'ombre noire, il pouvait voir les cancers, il pouvait voir des esprits. Maintenant, nous croyons qu'il pouvait voir les négatifs, mais combien croient que nous qu'il pouvait voir les positifs? S'il pouvait voir le démon sur l'homme, et est-ce qu'il ne pouvait pas voir les Saint-Esprit sur le sang? S'il pouvait voir la maladie sur la personne, ne pouvait-il pas voir la guérison sur l'homme? Vous savez ce que je vous dis ce matin? Je dis que le prophète de Dieu a vu une ouverture sur l'église du Dieu Tout-Puissant. Frère Branham ne parlait pas de l'émotion. Il ne parlait pas par la sensation. Mais il parlait par la parole de la foi. Et vous savez, la prédication de l'évangile vient par la parole de la foi. Paul dit, et la vie est même dans la votre bouche et dans mon cœur. Il dit la parole de la foi laquelle donne nous prêchons. Il dit nous ne lisons pas seulement, nous ne parlons pas seulement, mais quelqu'un doit la prêcher, la parole de la foi. Vous savez ce que ce mot prêcher veut dire? Ça veut dire c'est publier, ça veut dire proclamer, ça veut dire que nous parler avec autorité, ça veut dire que nous dire quelque chose et ce qui est dit doit être écouté et doit être Listen, obéi. Écoutez, quelqu'un va prêcher la parole de la foi, quelqu'un va publier la parole de Dieu, quelqu'un doit va proclamer cela, et Dieu est sauveur, que Dieu est guérisseur, que Dieu est délivreur, que c'est lui qui donne la voie, c'est lui qui fait le miracle, c'est lui qui sauve les âmes, il est celui qui donne le réveil. Quelqu'un va le proclamer, quelqu'un va le prêcher, et quelqu'un va recevoir cela. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit, je dois prêcher. Je dois prêcher et que le royaume de Dieu est dans toutes les cités, alors même à tous les saints. Et frère Branham dit cela comme ceci. Je dois prêcher la vérité, peu importe. Amen. Un prophète doit prêcher la vérité, peu importe. Il doit prêcher la parole, peu importe combien est-ce que cela fait mal. Et où est-ce que ça fait mal? Il devrait prêcher la vérité. Je dois dire ceci ce matin. Nous devons prêcher la parole de la foi. Et savez-vous que Paul a écrit à Timothée, et quand il a écrit à Timothée, il dit ce mot. Il dit prêche la parole. Quand Paul a écrit à Timothée, il dit prêche la parole. Et vous soyez en saison, hors saison, réprochez, réprimandez, exhortez avec un cœur. Et frère Branham dit que non, c'est la raison pour laquelle que je ne vais pas essayer de pouvoir me garder avec ce credo ou avec les dénominations parce que j'ai été commissionné de Dieu de pouvoir rester avec la parole. Écoutez, si un prophète a été commissionné de rester avec la parole, ça ne peut pas dire qui vous êtes et que vous êtes l'épouse parole. Cela veut dire que le prophète qui a porté la parole devrait rester avec la parole et l'épouse qui est devenue la parole devrait rester avec la même parole que le prophète a amené. Alors, je n'ai pas honte de voir le message de l'heure. Je n'ai pas honte de la parole que le prophète confirmé que Dieu a envoyé dans cette génération. Écoutez, il n'est pas venu ici par ses capacités. Il est venu ici commissionné. Il est venu ici commissionné de Dieu. Écoutez maintenant, Dieu envoie sa parole. Croyez-vous cela? Vous voyez comment est-ce que Dieu envoie sa parole? Il envoie sa parole en ouvrant le prédicateur dans Romains 8, 10. Et Paul dit, comment est-ce que vont-ils entendre sans un prédicateur? Et comment est-ce que vont-ils prêcher à moins qu'ils soient envoyés? Alors
voyez combien ce que beau c'est et comment est-ce que au pied de ceux-là qui apportent l'évangile, parce qu'ils amènent de gros, de bonnes choses. Et je vais dire ceci ce matin, les hommes de Dieu apportent de bonnes choses. Ils n'apportent pas des idées, des traditions, mais ils apportent de bonnes choses. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils apportent de bonnes choses? C'est parce que vous attendez à de bonnes choses, voyez? Alors la foi vient de parce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Écoutez bien, vous ne pouvez que servir Dieu sur terre aussi longtemps comme serviteur de Dieu sur la terre par inspiration divine. Écoutez, et il vous interprète la parole. Alors Dieu envoie un prédicateur, il vient sous l'onction divine et il commence à interpréter, vous commencez à vous interpréter la parole. Branham dit, il y a quelques années, quand le Saint-Esprit, avant que cela ne vienne, l'Église a commencé à se refroidir et les gens commençaient à crier à Dieu pour la délivrance. Ils ont commencé à crier à Dieu pour la délivrance et Dieu a envoyé le baptême de l'Esprit. Il dit maintenant que dès ce moment-là, les gens ont été délivrés. Les gens ont été délivrés de leurs péchés en recevant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui ne croient pas en cela, ils ne peuvent pas le recevoir. Vous devrez croire cela, voyez. Donc, et alors il a envoyé un prédicateur au loin de pouvoir prêcher la parole. Et vous, vous recevez cela. Maintenant, Christ ne oint pas de ministres pour prêcher l'Évangile juste pour que de pouvoir les ramener à lui, à Dieu. Mais il s'attend à ce que vous puissiez recevoir la parole. Je vais vous dire maintenant, alors je chasse cet esprit d'oppression, cet esprit de Nicolaitisme qui essaie de conquérir la foi des enfants de Dieu. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu ne va pas voir sa parole, de rentrer à lui void. Et s'il envoie sa parole, quelqu'un va prêcher la parole, quelqu'un va croire la parole, quelqu'un va recevoir la parole. Écoutez, Dieu s'attend à ce que vous puissiez recevoir la parole de la foi. Écoutez, nous avions été enseignés, que nous attendons. Je dirais ceci. Amen. N'allez pas plus en avant que moi. Je dirais ceci. Je crois que Dieu travaille de la même manière. S'il nous a dit, Brother Dale, que nous recevons ce que nous attendons, je crois que notre Dieu reçoit ce qu'il attend. Et vous savez ce qu'il s'attend? Il s'attend à ce que quelqu'un de croire la parole de Dieu. Parce que quand vous recevez la parole de Dieu, vous devenez la parole. Et quand vous recevez la parole, vous devenez la parole. Et quand Jésus était ici sur terre, regardez que notre dernière commission à l'Église, sa dernière commission à l'Église, c'était dans Marc 16. Il dit, prêchez l'évangile. Amen. Il dit, prêchez l'évangile. Il dit, chassez le démon en mon nom et imposez le main sur le malade et ils seront guéris. Prêchez l'évangile. Ne me vous fâchez pas contre moi. Il n'a pas dit que non, juste appuyez, jouez la bande. Mais il dit, prêchez l'évangile. Venez en église. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Nous avions perdu les prédicateurs. Et alors nous avons eu tout le temps de féminins sur la chaîne qui ne veulent pas se tenir et dire ce que le prophète a dit. Ils ne veulent pas prêcher contre le maquillage. Ils ne veulent pas prêcher contre le haut talon. Ils ne veulent pas prêcher contre la télévision. Alors ils ont mis une bande à l'église et ils se retournent et ils laissent que Frère Branham puisse avoir toute la pression. Je ne suis pas un efféminé. Je vais me servir
savait le prophète. Et si le prophète l'a dit, on a besoin de prédicateurs et de dire ce qu'il a dit. Oh, venez-en quelqu'un, un prophète de Dieu prêche l'évangile. Et à chaque moment qu'il trouve la prêche, il dit, allez dire ce que j'ai dit sur ces bandes. La dernière commission à l'église, c'était de prêcher l'évangile. Écoutez, le bonhomme dit ceci comme ça. La prédication de l'évangile, c'est de chasser les démons. C'est pourquoi le démon, ils ne veulent pas que l'évangile soit prêché. Parce que quand vous commencez à prêcher l'évangile, ça commence à jeter, à chasser les démons. Alors n'allez pas plus rapidement. Je peux dire quelque chose. Qu'est-ce qui est la partie du service auquel vous devrez vous battre pour rester éveillé? You don't fight to stay awake during the singing. Vous ne vous battez pas pour rester éveillé pendant que vous êtes en train de chanter ou pendant les cantiques spéciales. But when the word begins to be preached, then all of a sudden the spirit of sleepiness, and then it begins to come in the congregation. Amen. You know what part the devil fights the most? He fights the preaching of the word. Because the prophet of God said, God has given me the authority to break the power of Satan. He said, Lord, you have given us the divine power to break the power of Satan over this life in the name of Jesus Christ. Listen, any God called man is not standing there under his own commission. He is standing there under a divine commission to preach the gospel, de prêcher l'évangile, de pouvoir chasser les démons, d'imposer le main aux malades, de pouvoir briser la puissance du diable. Tout ce que la vie de l'individu, ceci n'est pas seulement une église et un service de l'église. Ceci n'est pas seulement venir ici. Ce n'est pas juste convaincre, mais ça c'est un combat spirituel. Le prophète de Dieu nous montre que dans le combat spirituel, ce qui se passe, qu'il y a un esprit et qui est en train de se mettre sur nous. Croyez-vous cela? Vous savez ce que le prophète de Dieu dit? Je vais donner ma vie à Dieu comme un fils et un garçon de 9 ans. Mais il y avait un esprit qui se mettait sur moi. Écoutez ceci. Et il identifie l'esprit comme le diable. Et voici ce qu'il dit. Il dit que non, attendez un peu plus longtemps. Attendez un peu plus longtemps. Écoutez, il n'y a pas d'homme et qui a ses pensées correctes, mais qui veut faire la chose correcte. Mais il y a quelque chose qui ne va pas les laisser le faire. Vous savez c'est quoi? Ça c'est un esprit, ça c'est un esprit diabolique qui se met sur les individus. Mais il a commissionné son église de pouvoir chasser ces démons. Écoutez, je ne suis pas ici ce matin de pouvoir jouer avec les démons. Je ne suis pas là ce matin de pouvoir compromettre avec les diables. Je suis là comme un fils de Dieu qui a rencontré de là où derrière le rideau. Oui, j'ai été commissionné de prêcher l'évangile. J'ai été commissionné de chasser les démons. J'ai été commissionné de prier pour le malade. Et je me tiens là ce matin. Je dis Satan, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, esprit d'incrédulité, je vous chasse et je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Sortez des peuples pour la gloire de Dieu et tout esprit soit brisé et que le diable soit vaincu et tout le malade soit guéri et que tout le péché soit, l'iniquité soit amortie. Alléluia. Alléluia. Il nous a commissionné. Alléluia. Nous ne rentrons pas devant le diable, mais nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant. Nous ne tournons pas. Nous ne rentrons pas en arrière, mais nous allons de l'avant. Nous avons été commissionnés. We're not sissies. Nous ne sommes pas des affaiblis. Nous ne sommes pas des. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats ouins. Nous sommes des soldats ouins. Nous sommes en train de suivre le général des généraux. Et son nom c'est Jésus Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est le capitaine de toutes les armées. Dieu du Seigneur. J'ai dit Satan, tu as perdu le combat.
J'ai dit, Satan, tu as perdu le combat. J'ai dit, la dépression, tu as perdu le combat. J'ai dit, l'esprit Nicolaïte, vous avez perdu le combat. We've been anointed. Nous avions été oints. We've been sent here. Nous avons été envoyés ici. Nous avons été commissionnés de Dieu Tout-Puissant. Écoutez ça, amis. Vous n'allez pas guérir quelqu'un. Écoutez-moi, prédicateur. Vous n'allez pas guérir qui que ce soit. Mais vous allez chasser les démons. Vous allez chasser les démons de la personne malade pour qu'elle puisse recevoir leur guérison. C'est déjà fait. Nous n'avons pas besoin d'aller au l'endroit littéral de la crucifixion pour pouvoir recevoir le bénéfice de cela. Non, venez à l'église. Combien ont l'endroit? Vous avez cette prédication? Pourquoi la petite Bethléem? 1963. Frère Branham se tient là à Phoenix, Arizona, dans Ramada Inn. Il dit, chaque fils et fille de Dieu est de nouveau, peut naître de nouveau ici. Are you hearing me? This is not about a place. It's about a person. It's not about a place. It's about an atonement. Listen, the atonement is not a place. The atonement is a person. And it is the person of the Lord Jesus Christ. Listen, you ain't got to go to the physical Calvary this morning. But what was in Calvary? It's in this building this morning. What was in Bethlehem? It's in this building this morning. What are you saying, preacher? I'm saying it's a finished work, and God has come down to manifest that work in your life. You're already healed. You're already saved. You're already delivered. You're already raptured. You're already victorious. You're already a son of God. You're already in the promises of God. But there's only one thing between you and the promises. And it's a spirit. It's a devil. Listen, God is not finishing your healing this morning. It's already finished. God is not making you the bride this morning. You are already the bride. The only thing that is keeping you from believing that is a spirit from the pits of hell. But God has sent his word by an anointed preacher, and he's preaching the word of faith. And I'm rebuking the spirit, and the spirit that's hanging over you is being broken by the preaching of the gospel of Jesus Christ. Yes, sir, here this morning, the only thing that keeps you from being well this morning is a spirit is hanging over you. Now, come on, church. Brother Darrell, that spirit is hanging over people. And Brother Darrell said like this, he said that spirit will not let them go out there and fully believe. Listen, the devil don't want you to fully believe. He don't mind if you halfway believe. He don't mind if you kind of believe, but don't fully believe. But can I say what the prophet of God said? He said it like this. He said, but listen, amen, I believe God's promise. He said, now that's my commission. That's what God gave me. That's what he gave every gospel preacher who will believe him, the power and the authority to break that spirit
spirit. But you know what I say? I say it's a bad morning for the devil to be in the house of God. Because this is not just a little sermonette. This is not just some little idea that come out of some seminary. But I am speaking what a vindicated prophet has said. He said, I believe with all my heart that every demon power, are you all hearing me? Every demon power that's in this building right now, it's already broken. Brother Foskin, it's already broken. Every devil that's trying to bind these meetings, that's trying to hinder the Holy Ghost, that's trying to block the blessings of God, I come here this morning to tell that devil, you're already defeated. You're already broken. Your power is broken. Your authority is broken. Your influence is broken. I say, Satan, you are defeated in the name of Jesus Christ, who the Son has made free. It's free indeed. If the word shall come into your soul, the word will quicken your soul and will release you to go out yonder and fully believe. My goodness. Oh, hallelujah. Hallelujah. Every demon power is already broken. Déjà brisé. See, the devil has broke away from you. Et le diable a déjà, et glory déjà to God. De vous. The devil has already broke away from you. Déjà délivré. Brother said he has to. Il doit l'être. Can I say this morning? Est-ce que je peux dire ce matin? The devil, le diable, does not have a choice. N'a pas de choix. The devil, le diable, does not have a choice. N'a pas de choix. The word, la parole, has already broken his déjà power. Brisé sa puissance. He has to leave. Il doit partir. Amen. Amen. Somebody open that door up back there. Quelqu'un ouvre amen. La open porte that là-bas door derrière. Up out there. Quelqu'un that ouvre back la porte. Door. Open that back ouvre door. Cette porte-là. Satan, you gotta go. You're dismissed. Tu you've gotta leave. Your partir. Power is broken. Ta your influence brisé. Is destroyed. Your reputation has been whipped by the cross. Satan, I exterminate thee. I dismiss you, Satan. I dismiss the devil. For the glory of God, let the power of the Holy Ghost come among the church in the revelation of the preaching of the word of faith. Come on, church. It's time to go out yonder and believe. It's time to go out yonder and believe. You've been anointed to believe. You've been called to believe. It's time to press. I said it's time to press. Amen. You say, preacher, I ain't got no faith. Je n'ai pas de foi. Can I tell you the word of the Lord? Est-ce que je peux vous faith dire la cometh. Du Seigneur? La foi vient. Hallelujah. Hallelujah. Can I tell you the word of the Est-ce Lord? Que je peux vous dire faith la parole du cometh. Seigneur? La parole vient. I'm telling you this morning. Je vous dis ce matin. End-time message tabernacle. End-time faith message tabernacle. La foi Foster, vient. Faith cometh. Foster, I don't care vient. Where you're at. Ça I don't care vous what êtes. You're going through. I don't care what situation you're facing. Faith cometh this morning. Faith cometh. Faith cometh to save. Faith cometh to heal. Faith cometh to deliver. Faith cometh to restore. Faith cometh to redeem. Faith cometh this morning. Hallelujah. 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 Faith cometh into your life. Brother, sister, faith cometh to your home. Faith cometh to your family. Faith cometh to your children. Faith cometh. Brother Foster, faith cometh to this church. La foi vient à cette église. Brother Darrell, faith cometh. It cometh this la morning. Vient ce you know matin. How it comes? It comes by the hearing of the word of God. De la parole de Dieu. As you begin et to hear the word, vous à faith la parole, la begins foi to come into your heart. À venir dans what votre are you saying, preacher? Que vous dites, I'm saying faith. Je dis la foi. It takes God's word et ça demande la parole for de what Dieu. It says. Dit. And it starts et rejoicing. Ça commence à se réjouir. Come on, David. Venez en you David. Ain't got to wait till Goliath falls. To start dancing. You know what the Father of God said? He said by revelation. David knew that he was the seed of Abraham and that seed shall possess the gate of his enemy. You know what the Father of God said? He said before he slung one stone, before Goliath fell, David went ahead and just danced. He danced his way and then right into the battle. Well, you know what I say? It's a good morning. He said, you dance and choose
chanter, pouvoir chanter dans la maison du Seigneur. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que la montagne puisse bouger, jusqu'à ce que le tumeur est parti, jusqu'à ce que le docteur donne un bon repos. Mais nous sommes des fils de Dieu sous la commission divine. Nous pouvons rester avec la parole et devant toute incrédulité. Commencez à vous réjouir, Église. Vous avez besoin d'un réveil pour qu'on aurait la parole. Vous avez besoin d'un endossé. Vous voulez besoin de la guérison. Donnez la parole. Vous voulez sortir de votre chaise roulante. Commencez à asperger la parole. Commencez à arroser la parole. Arrosez-la sur la chaise, dans les bancs. Arrosez-la partout. Parlez de tout qui a des souffles. Loue le Seigneur. Alléluia. 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 You say, preacher, vous dites, prédicateur, how do you water the word? Comment est-ce que vous arrosez Thank la parole? Asking. Merci d'avoir the demandé. Of God said, le prophète de Dieu you dit, water the word vous arrosez la parole en ponctuant toute la parole avec un amen. 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 You know what I say? Vous savez ce que je dis? I say, forget je dis, oubliez to make great que again. De pouvoir améliorer l'Amérique. And let's make amens et great dites again. Amen encore, améliorons encore let's notre make amen. Amens great again. Améliorons it is not Pentecostalism to say amen to the word of God. Amen à la parole de Dieu. Somebody say, well, you start saying amen, you're going to get Pentecostal. Vous allez devenir comme you're going to become a Pentecostal. Vous allez devenir des because of Pentecostals, parce que they shout amen, and they dance, and they holler. Amen, amen, come on, church. Have you looked at them Pentecostals? They did not steal the amen. Well, God, we didn't go steal the amen from them. They stole it from us. Somebody say, well, you all stole that Pentecostal shout religion. No, sir. The shouting religion is the oldest religion in all the world. Let me prove it to you by the Bible. Where were you, Joel, when the sons of God, amen, were shouting for joy? Amen. Amen. Can I give you a Bible answer? It's in the book of Proverbs, the 8th chapter. Are you ready for it? I was there. I was there. I was there when he spoke that for me. Come on, I was there. I was there when he laid the foundations of the earth. I was there when he spoke the stars. I was there. And because I was there is why I'm here. And because I'm here, I'm on my way back there. And there ain't no devil going to stop me. There's a power of the Holy Ghost flowing through this building this morning. Hallelujah. I'm not a crazy man. The devil is broken. Mais le diable the devil is defeated. Le diable est détruit. I was there. Et pour que j'étais là. Somebody come along and tell me. Quelqu'un peut venir me dire. The boy in Finland. Oh, le petit didn't raise up from the grave. Il n'est pas ressuscité you know what de, I say? De la tombe. Je I say, how do you know? Il dit comment est-ce que vous savez? They say, well, how do you know? Oh, comment est-ce que vous I savez? Say, I was there. Il dit mais j'étais là. How do you know that seven angels met a prophet in the mountains? I was there. How do you know that the pillar of fire come across the Ohio River? I was there. How do you know that Georgie Carter, after 9 years, got up out of the bed and walked? I was there. How do you know that Upshaw was healed? I was there. How do you know that Hattie Rice, two boys, get their heart back to God. I was there. I was not there as a pre-existing soul. I was there as an eternal attribute of Almighty God. When he was born, I was there. When he was, oh God, when he grew up as a 12-year-old boy, I was there. When he walked on water, I was there. When he raised the dead, I was there. When he healed Bartimaeus, I was there. When he saved the woman at the well, I was there. When he raised the widow of Nain's son, I was there. When he went to Calvary, I was there. When he went to the regions of the lost, I was there. But on the third morning, on the third morning, when he got up, I got up with him because I was there. I was there. I'm not going back. I'm not turning around. I'm not laying down. I'm going forward. I was there. J'étais là. Brother, you were there. Frère, vous étiez là. I was there. J'étais là. I was there. J'étais là.
Hallelujah. Hallelujah. I was there. J'étais là. You can't take it from me. Vous ne pouvez pas me le retirer. I was there. J'étais là. I was there j'étais when the Spirit là came. Quand l'Esprit est venu. I was there j'étais when the Holy quand Ghost quand came. Y'all just forgive me. I'm feeling good right now. Pardonnez-moi, je me sens bien. I was there j'étais là when the devils had to quand get up. Le diable devrait lécher. He said, preacher, how can you stand here and with such authority say every devil has to give up every believer? Because I was there when the devils had to give up the maniac of Gadara. Brother Daryl, I was there when the deaf spirit had to give up that boy. I was there when death had to take its hands off of Jairus' daughter. I was there. I was there. Hallelujah. Hallelujah. I'm not a crazy man. Je suis pas un homme fou. I'm under a divine commission. Je suis sous une commission divine. And there is a spirit of God. Et y a un esprit de you know Dieu. What the Bible says? Vous savez ce que la Bible Amen. Dit. Are you okay, brother? Je, est-ce que ça the va Bible faire? Says. La Bible dit. It's in here this morning. Oh, ça est là ce matin. By His Spirit, par son esprit, He will energize His Word. Il va vivifier sa parole. Come on, church. Venez en église. Amen. Amen. This is what. How many services hard to keep up with? Combien de services sont dans Amen. This is several services into this meeting. And you all aren't sitting here half asleep. Et vous n'êtes pas and you ain't apostolique. Sitting here half dead. Vous n'êtes pas là you know why? Vous because this is more parce than a man. Que matin, un homme. But my Bible says, ma Bible dit, not by might, pas par la force, not by power, pas par la puissance, but by my mais Spirit, esprit, saith dit, the Lord. Le Seigneur. You know what the prophet of God vous savez did? Le prophète, Brother Brown, take that quote up for that scripture. And he said, now what is it? Il dit, qu'est-ce que he c'est? Says, the Spirit l'esprit energizes the Word. Vivifie la parole. Not your feelings. Pas vos sentiments. You know what? You may vous not feel quoi? Like saying vous amen. Peut-être pas sentir but the comme Word si amen, mais is la parole energized by the Spirit est vivifié par and la the parole. Spirit causes the Word amène to la say parole amen. À pouvoir dire listen, amen. It's the water écoutez, of the Word of faith arroser la that parole energizes de la foi the Word of God la parole and de makes Dieu it work. La Can I say this? Oui, je peux dire there ceci. Is an unseen energy. Il y a une énergie invisible. There is an unseen energy that is in this church. Qui est dans cette église ce matin? Jesus said, Jésus dit, I am the vine, je suis la and ye are the branches. Et vous êtes les branches. Brother Bram said, there has to be something between us here. Entre nous ici. Oh, come on. Allez, Brother come Darrell, on. That's why it's not all about the preacher. C'est pourquoi and ça that's why it's not all about the people. Ce n'est pas seulement des gens. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez? The preacher preaches. Le prédicateur he prêche. Presses the word out il there. Il you pull on the word. And then you push the word back. And the preacher presses. Are you hearing me? Est-ce que vous because m'écoutez? There's something parce between y a us. Quelque chose entre oh, nous. God. Oh, are you Dieu. Hearing me? Est-ce que vous listen, m'écoutez? I believe the angel of the Lord is in this building this morning. And I believe he's standing et between me and you. Entre vous et moi. Come on, I believe it. Je crois can cela. I tell you what a prophet of God et said? He said, prophet I stand here dit, as a chosen vessel. Comme une he said, choisie. I yield my mouth j'ai, to him alors je lui cède to be a mouthpiece. And I yield my eyes to see the vision. He said, but you, amen, have to yield vous your heart, amen, and your spirit, amen, to receive. So he was yielding alors, to get it. Oh God. He was yielding to get alors, it. And you have to yield to receive it. Et vous devez céder see, pour pouvoir the program said like this. He said, I yield myself to preach the gospel. Now let me say this. We then yield our hearts to receive the gospel. Can I tell you what the gospel is? It's the good news of the finished work of Calvary. You all remember amen, that Jesus hung between the heavens and the earth. And he said these words. He said, it is finished. You know what that word finished means? It means to bring to a close. Que nous it means à to complete. La maturité, à it means to perform the last act. C'est de pouvoir agir vers les which completes actes. A process c'est qui finit le processus to accomplish it pour accomplir and to cela fulfill it. Et you know what Jesus said? Vous savez ce que he Jésus said, dit? My meat is non, to do the will of ma, him travail, that sent me de celui and qui m'a to finish the work. Jésus said, I have glorified thee on the earth. Je suis I have finished
finished the work, j'ai fini le travail, which that word work is an undertaking, it is an act, c'est un it is action, a need, c'est or a thing done. De quelque chose can I say fait. This? Je peux dire God ceci. Works la, la according to his law. Dieu travaille selon ses are you with me? Et now, Brother Benjamin moi. Said you can have an artesian well, vous pouvez avoir un puits artésien, and he said you could be over here on a hill, et vous pouvez la construire sur la colline, et toutes les plantes right. sont en train de he said, now de you can stand there, vous pouvez vous tenir and you là. Can holler all day long. Vous pouvez crier toute water, la journée. Come over here. Oh, oh, water, viens ici. Come over here. Oh, viens ici. He said, the water il dit, will mais never l'eau move. Ne va pas bouger. He said, but if you go il to dit, the mais si vous allez sur la loi de la gravitation, et sur la loi de gravité, à la capacité de prendre de l'eau de là où vous voulez, vous pouvez entrer dans une salle, ça peut être un peu sombre, mais vous pouvez vous tenir là. Il dit que non, que la lumière c'est l'électricité. Oh, grand électricité, je sais que tu es dans la salle. Ça ne va jamais marcher jusqu'à ce que vous travaillez selon le principe de l'électricité. Vous savez c'est quoi les lois de l'électricité? Cela veut dire que non, il y a des fils qui sont connectés. Et je peux dire ceci, maintenant ce matin, il y a de la lumière dans ce bâtiment. Vous savez pourquoi il y a la lumière? Parce que quelque part, il y a une connexion. Vous ne voyez pas la connexion. Vous ne pouvez pas toucher la connexion. Mais vous voyez l'évidence, quelque part, que deux fils se sont unis. S'il y a la loi de gravité, il y a la loi de l'électricité. Et je dis ce matin, il y a aussi la loi de la foi. Et Dieu ne guérit pas les gens juste en allant à l'église ou faisant une confession. Mais il vous guérit sur votre foi dans son travail accompli. Ce n'est pas la prière du prédicateur, mais c'est votre foi de croire le travail fini que Christ a fait pour vous. Est-ce que je peux dire c'est quoi cette parole? Accepter veut dire cela veut dire recevoir quelque chose à volontiers. It means to be designed ça veut dire to take a hold de prendre of what's being offered. De ce qui a été offert. Listen, church, écoutez, église, you are designed to receive de the word of faith in the hour that you're living dans l'heure dans laquelle vous can vivez. I say it to you like this? Est-ce que je peux vous le dire it, comme ça? Say it with me. It is, dites avec moi, is say, finished. Fini. Can I ask you a question? Est-ce que je peux vous poser what une question? Is it? Qu'est-ce qui est fini? It is finished. Fini. You know what I love about that? Vous savez ce que j'aime de cela? Jesus did not say si Jésus n'a one pas dit specific thing. Une chose spécifique. Listen, if he would have just said s'il avait dit that cancer is finished, que cancer est fini, that means every cela other disease dire, would not be under the power of the atonement. Pas sous l'option de l'expiation. But because he said mais parce qu'il a dit, it, say, it is finished. C'est fini. Then God sent alors, you a prophet vous envoie and said you've got to rightly divide the word of truth. You've got to put yourself vous devrez vous mettre in the word. Dans la parole. Remember the man who was laying on the bed dying? Et vous souvenez de l'homme qui était sur le lit he was mourant. On the ship, the il captain. Était le capitaine. He was on his deathbed. Il était là sur mourant. And the prophet of God said, et le prophète de Dieu but he said, has anybody got a Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un and qui a a little boy had et a le petit garçon avait la Bible. And he turned to Isaiah 53. Il est entré dans and he began to read the atonement. Il a commencé à lire l'expiation. Said he read it like this. He said he was bruised. Il était brisé. He was bruised il était brisé for Willie Pruitt's iniquities. He was bruised. Il était brisé. He said, I'd like to read it lire the way cela. My mama taught à la manière dont ma mère he was bruised il a été for Willie Pruitt's iniquities. Pour the chastisement of Willie Pruitt's peace was upon him. And by his stripes, Willie Pruitt is healed. Il a prouvé qu'il était Brother Bram said like this. He said, the captain looked at him and said, young man, you think you could read my name in there? He said, oh, I most certainly can. He said he was wounded. Il était brisé. He was wounded. Il était brisé. Are you with me? Est-ce que vous êtes amen, avec I forget moi? His name. Et j'oublie son amen. Nom. Amen. He was wounded il était brisé. For John Court's iniquity. Pour, he was wounded for John Court's transgression. And by his stripes, John Court's is healed. John Court's Brother Branham said it changed when the boy put his name quand in there. Le he said he reached nom. Over et il est parti. And said, somebody give il me my boots. I'm not going to die. I'm going to live. For Brother Faustin, I didn't come all the way out here to Colorado to pray funeral service. I come to say this morning, it's time to get up. It's time to get out of the bed. It's time to get out of the depression. It's time to get out of the
sortir la dépression. C'est le temps de pouvoir sortir les complexes de tous les erreurs. C'est le temps de sortir cela. Il y a un prophète parmi nous et c'est le Saint-Esprit. Il a pris nos âmes à croire. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Vous voulez faire fuir ce diable ce matin? Vous voulez faire fuir ce diable ce matin? Vous voulez prêcher avec moi? Voulez-vous prêcher avec moi? Vous voulez sortir ce diable maintenant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si c'est la pornographie, dites que c'est fini. Si c'est la convoitise, dites que c'est fini. Si c'est l'amertume, dites que c'est fini. Si c'est le manque de pardon, c'est fini. Si c'est le péché, c'est fini. Alléluia. Je vous dis ce matin que c'est le jour du péché fini. C'est fini ce matin. C'est fini ce matin. C'est fini. J'ai dit que c'est fini. Il y a une onction ce matin. Il guérit ce malade. C'est fini. Est-ce que c'est la mauvaise doctrine? C'est fini. Somebody praise the Lord. Quelqu'un prie, loue le Seigneur. Alléluia. It's finished. C'est fini. Put your foot on that devil. Put your foot on that devil this morning. Mettez votre pied sur ce démon. Il est vaincu. He's finished. Il est vaincu. It's over. C'est fini. It's time to have church. Et c'est la fin. It's time to have a Holy Ghost. C'est le temps d'avoir le Saint-Esprit. It's time for c'est le temps pour que la dynamique du Saint-Esprit de venir dans l'Église, dans la puissance de la résurrection. Hallelujah. 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 He is here. Il est ici. He is here. Il est ici. He is here this morning. Il est ici ce matin. Sin is finished. C'est fini. It's finished. C'est fini. Young man, it's finished. Jeune homme, c'est fini ce matin. I don't care what it is. Ça m'importe peu ce que c'est fini. Brother Daryl, it's finished. Frère Daryl, c'est fini. I said it's finished. J'ai dit c'est fini. Brother Foster, it's finished this morning. C'est fini ce matin. Whatever devil, peu importe le diable, c'est le temps de pouvoir de vaincre. Comme un berger de cette église, mettez votre pied sur le Seigneur. Mettez le pied sur ce diable. C'est fini ce matin. Hallelujah. Alléluia. Satan, you are defeated. Oh Satan, tu es vaincu. And you know it. Et tu le sais. And you know it. Et tu le sais. You know it, tu sais ça et cela, you Satan. Know you're defeated. Tu sais que tu es vaincu. There's an unseen energy. Il y a une énergie invisible of a Holy Ghost. Du Saint-Esprit. It's flowing through the church. C'est en train d'entrer dans l'église. It's upon you this morning. C'est sur vous ce it's matin. A reality c'est this une morning. Réalité ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Brother Timothy Bruett. Frère Timothy Bruett. Y'all forgive me. Pardonnez-moi. Years ago. Il y a des années, Brother Wayne was building the church of Brother Tim Wayne Brewitt. Était en train de construire l'église de Frère Brother Tim Wayne Lawson, il a he was pushing the dirt around. Il était en train de bouger la terre et un matin. And there was a big old poisonous snake. Il y avait un serpent was laying there at the job site. Là sur le terrain. Now down the south, we don't play with them babies. We kill them. Et là au sud, on ne joue pas avec eux. They took a shovel. Ils ont pris la Brother Shamel, they hit the head of that thing and cut it off. Il a frappé sur cette chose et l'a coupé. C'est là. Et Frère Tim l'a regardé. He said that snake il showed dit, up to die. Il est mourir. Well, you know what I say this vous morning. Je dis I say matin. The devil is a il serpent. Que non, ce and I say we are serpent bruisers. Dit que nous sommes and you know what I say this morning. Vous savez I ce say que je the dis? Devil j'ai showed dit, up. Le diable était là, était venu pour the mourir. Devil showed up this morning. Le diable était he venu pour mourir. Il était venu pour mourir. Et il va mourir dans votre église. Il va mourir dans votre louange. Il va venir quelqu'un. Tu ce diable ce matin. Il est défait. Il est vaincu, jeune you ain't gotta live under nervousness. Vous n'avez pas besoin de vivre sous la condemnation. Vous n'avez pas besoin de vivre sous la condamnation. Je suis sûr, une malédiction de génération, ça m'importe peu ce qui est arrivé dans votre lignée familiale. Ça m'importe peu ce que le diable vous a montré dans votre lignée de la famille. C'est que le diable essaie de faire dans votre vie. Je viens là ce matin avec la commission divine de dire que non, ils sont finis. Thou demon of witchcraft, thou demon of rebellion, thou demon of alcoholism, I rebuke you in the name of Jesus Christ. Come out for the people. Oh, sortez des gens. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. That devil showed up to die. Et ce diable était là pour mourir. I said that devil showed Le up to diable die. Était venu pour mourir. It's over. C'est fini. It's over. C'est fini. It's gotta stop somewhere. Ça doit s'arrêter quelque part. It's got to stop somewhere. Come on. Venez-en. I know what I'm talking about. Je sais de quoi est-ce que amen, je parle. I was a kid. J'étais un enfant. Did, amen. I had a. Oh God. Oh Dieu. I'm opening up a little bit here this morning. Amen. I know what it's like. Je sais ce que amen, c'est to go through struggles as de a kid. Pouvoir traverser des troubles I know comme what it's like for the devil to tell you. Je sais that because your daddy was this. Parce que ton père and because this one was that. You're going to be this. Vous serez amen. Ceci. I know what I'm talking about. Je sais de quoi it's que a great spiritual warfare. Let me say this. And spirits travel. They travel. Brother Dale, they travel from one generation into the next generation, into the next generation. But you know what I say this morning? I say we are a new generation. I say we do not have to carry the sin of our ancestry anymore. There is a blood. There is an atonement. There is a grace. There is a word. And it's a word of authority. You know what I say this morning? I said, bring that curse to God and let him kill that thing. It's got to stop somewhere. Ça doit s'arrêter quelque part. I said it's got to stop somewhere. Je dis que ça doit s'arrêter quelque part. I say right here is a good place for it to stop. C'était là, c'est ici où ça devrait it's s'arrêter. It's got to stop. Ça doit s'arrêter somewhere. Quelque part. You say preacher. Il dit prédicateur. It can't stop with me. Vous ne pouvez pas arrêter it avec moi. It has to. Ça doit s'arrêter avec. It has to. Ça doit s'arrêter. You know why it has to? Not because I'm here. Pas parce que je suis là. Mais parce que la parole de Jésus Christ is a discerner of the faults and the intentions of the You know what I say? I say jealousy has got to stop somewhere. Amen. Amen. Oh, can I preach a minute? Amen. Can I preach a second? We are the bride of Jesus Christ. We are a band of brothers. When in God's name did we become so jealous of one another? And who sung that? Who preached that? Who got more amens? And who got more? Have we forgot this is about souls? Have we forgot this is football? This is the house of God? And people need help. Who cares who preaches? Who cares who sings? As long as somebody gets a touch from the master's hand, as long as somebody gets the Holy Ghost, as long as somebody receives the strength to believe the word of God. La parole de Dieu. Listen, friends, when you realize, écoutez, amis, when this is a direct quote, que ça, c'est une when you really realize quand vous réalisez that God has revealed to you the truth of the thing, la vérité there de is la chose. Nothing il n'y a rien in the world dans le monde is going to defeat you in qui it. Va vous vaincre you are absolutely, vous êtes absolument, you are absolutely vous êtes absolument undefeatable. Vous pouvez pas être vaincu. Listen, that's right. C'est pour vrai. Not you, pas vous, but the God that's mais in you. Dieu qui est en vous. Not Christ, pas Christ, not the body, pas le corps, but the word that was in mais him. La parole qui était en lui. Not Mary, pas Marie, but the word mais la parole that was born from qui her. Était née d'elle. Come on, church. Venez-en do you realize who you are? Vous qui you vous are êtes. A word vous êtes born la parole. Une épouse Can I say this? Est-ce que je peux dire ceci? The only reason why la seule raison pour that you're still standing vous tenez after everything you've been après through tout ce que vous avez is because traversé, the word in you has the strength. La force. Come on, what does Galatians 4 say? When Christ be formed in you. And you know what my prophet said? He said Christ is the word. Christ est la and the word will defeat the devil anywhere, anytime, any place. Are you ready for this? Under any conditions. N'importe quelle condition. You know what I say? Vous savez ce que je dis? I don't care what ça the conditions are. Que la condition I know what the word says about dit. The conditions. And the word says that heaven dit. And earth shall pass away. But my word shall never pass away. Brother David, I'm sorry, I got to pick et it up. Diable, amen. Amen. Do you realize what a vous prophet said? Ce que le prophète dit. Brother David quoted it last night. Et David a cité give it cela back. La nuit dernière. Restoration cela. Of the bride. Church. Give it back. La you know what de a prophet said? Vous savez ce que le he said dit. Regardless dit, of the conditions, peu importe la condition, the Spirit will force the word to cope la parole with the conditions. S'améliorer I avec la don't condition. Care what ça the conditions quoi. Are if I know what the word says. If I know si je connais
the word says, then the spirit will cause the conditions to agree with the word. You know what the prophet of God said? Oh, God. Amen. Amen. Y'all forgive me. I'm about to blow apart up here. Are you hearing me? I'm bringing this down. You know what the prophet of God said? He said the word works. He said if you're in a lion's den, si vous êtes dans le lion, dans if you're in the fiery lion, furnace, si vous êtes dans la fournaise, come on church, venez dans l'église, amen, wherever you are, peu importe the où word vous êtes, works. La parole in 1958, 1958, he said these words. He said if you're laying in a bed of cancer, si vous êtes là en train de mourir the de word cancer, will defeat the devil. La you know what else he said? Vous savez ce he said if you're laying in an automobile si accident, vous êtes là dans un accident d'automobile, and you're bleeding to death, et vous êtes en train de saigner mort, la parole va toujours vaincre le diable. Do you realize when he vous said réalisez, that? C'est quand il a was dit cela. 1958. Dans 1965. On his way from Arizona back to Jeffersonville. Il était là he's dans l'accident. He's laying on the highway. Il était là sur his body all twisted up. Son corps était de balancé et vraiment plié. All twisted up. Oh, c'était tout the, he's bleeding out. Il est en train de saigner. Billy Paul is in the car behind him. Était dans la voiture derrière Brother lui. Billy runs up there. Billy vient là. Are you hearing the conditions? Est-ce que vous êtes en train condition, Frère Darryl? You've been there. Vous êtes là. The conditions la are horrible. La condition était horrible. But Billy Paul walks mais Billy up there. Paul, and in that condition, the word still works. La parole a toujours marché. Oh God. Oh Dieu. Brother Branham looked at Billy Frère Paul. Branham a and the first Billy thing he said, la première chose he dit, said, Billy, Billy, you go tell Joseph va dire à that Joseph everything's going to be okay. Que tout va marcher. Brother Branham said, Brother Billy Paul, Frère Billy Paul, he said, Daddy, il dit, Papa, I'll tell him a little bit later. Je vais lui dire he un said, plus no, tard. Go tell him il now. Dit, va lui dire are maintenant. You hearing me? Est-ce que vous m'écoutez? You say, that was just the Father. Dit, c'était juste no, le that Père. Was the word. Ça, c'était la parole. Because the word parce says que la parole that all things work together for the good to them that love God. Who are called according to his purpose. He ran back there. Il est he said, Joseph, il dit, Joseph, Daddy said it's going to be okay. Que non, ça va aller. He came back. Il est revenu. He came back. Il est revenu. Brother Branham said like Frère this. Dit, c'est là comme sorry, ceci. Billy, il dit, désolé. Paul. Billy Paul. He said like this. Il dit comme ceci. He said, Billy. Il dit, Billy. He said, where's Sarah? Où est Sarah? He said, Daddy, papa, she's laying behind elle you. Est là derrière he said, vous. Take my hand. Prends ma main. Take my hand. Prends ma main. Oh God. And lay it over on Sarah. Impose-le you know what Sarah. He said? Il sait he said dit. Sarah's back il is dit, broke. Le her back de, is broke. Le dos de Sarah there brisé. Was not a machine il there. Avait pas de machine she là. Did not have a medical scan. Elle n'avait pas de scan but médical. The word mais la parole, is a discerner. Elle est discerne, and the word knew et la parole the condition la condition of Sarah's body. Du corps de but Sarah. There was a spirit mais il y avait un of the Almighty God de Dieu Tout-Puissant that could force the condition of la condition. Sarah's body. Sur le plan de Sarah, with the word. Améliorer avec Sister la parole. Mida la sœur Mida was laying there dead, c'était de la mort, word, mais la parole which work, qui est marché and the word et la parole said she's gonna live. Dit que non, elle va vivre. Are you hearing me, church? Est-ce que vous m'écoutez, Église? Amen. Amen. Can I leave you with est-ce this? Que je peux vous laisser can avec I leave ceci? You je peux vous laisser sometimes avec ceci. Parfois, you gotta press. Vous devrez Amen. Presser. Amen. I got a whole sermon. I gotta forget. J'ai toute une prédication que je dois oublier. It's time for the bride's breakthrough. C'est le temps de pour les épouses de pouvoir ouvrir. That spirit that's hung over us. Et c'est l'esprit defeated. You know what a breakthrough is? Vous savez c'est quoi l'accès? You know what you're going to have? Vous savez ce que vous allez avoir? You're either going to have a breakdown. Ou vous allez être or you're going to have a breakthrough. Ou vous allez avoir de l'accès. You're going to have a breakdown. Ou vous allez être renfermé. Or you're going to have a breakthrough. Ou vous allez avoir de l'accès. But you know what I heard a prophet say? Vous savez ce que j'entends le prophète dire? Il dit je vois. I see. Je vois. I see a breakthrough. Je vois un accès. And it's on the audience. Et c'est sur l'audience. Frère Foster, hey, I'm sorry, buddy. J'ai dit, désolé. I'm gonna go home. Je dois rentrer. Hey, but I want to say this. Mais je veux vous dire ceci. I see a breakthrough on je this church. Sur I see a breakthrough on this man. Je vois un accès sur ces réunions. Je vois un accès sur ce homme de Dieu. Je vois prêcher cela. Brother David preaching. Preaching to every devil jusqu'à ce que le diable retourne. Rentre en enfer. Jusqu'à ce qu'il rentre. C'est votre heure de pouvoir accéder. Come on, it's your hour. Venez-en. C'est votre heure. C'est votre heure. Put your marching shoes on. Mettez votre chaussure pour marcher. Breakthroughs. Accès. Breakthroughs. Accès. They usually happen ils arrivent souvent on sevens. Sur le 7.
On sevens is when breakthroughs happen. Naaman was covered in leprosy, but he was told, "You go dip in the muddy Jordan seven times, one time, two times, three times, four times, five times, six times." But on the seventh, sur le septième, on the seventh, sur le septième, he broke through. Il a accédé. He came out from under il the leprosy. Là de la lèpre. Can I give you one more? Est-ce que je peux vous donner the encore walls une? Of Jericho. Le mur de Jéricho. Very real tall. Il était très very real high. Il était très haut. Comment? Are they going to come down? Comment est-ce que ça va tomber? Listen, Israel. Écoutez ceci, Israël. You march. Vous marchez. You march. Vous marchez. You march. Vous marchez. Around those walls. Autour de ces you murs. March. Vous marchez. Around those walls. Autour de ces murs. You march. Vous marchez. One time. Une fois. Two times. Deux fois. Three times. Trois fois. Four times. Quatre fois. Five times. You march. You just keep on marching. You just keep on speaking. You just keep on marching. But on the seventh time, you let out a shout. And the walls are going to come down. Church of the living God. We've been around 6 ages. But in the days of the voice, there will come a shout. There will come a voice. And the walls. Humanity are going to fall, and we're going to our breaks in the rapture. God bless. Que Dieu vous bénisse. Victory.
dans chacun de nous. We believe. Nous croyons. What we heard. Que ce que nous avons écouté. Is your word. C'est ta parole. And you have to be backing up your own word. Et toi, tu dois soutenir ta propre parole. We believe. Nous croyons. That Satan. Que Satan. Has been defeated. A été défait. He cannot do anything. Il ne peut rien faire. He is powerless. Il est sans puissance. He is under our feet. Il est sous nos pieds. And let everyone. Que chacun de nous. With each condition. Avec n'importe quelle condition. Believe. And continue to walk. Et continue à marcher. And forget the past. Et oublier le passé. And pressing. Et pousser. Until. Percer jusqu'à ce que. Result. Les résultats. Be manifested. Soient manifestés. Until. Jusqu'à ce que. We reach glory. Nous atteignons la gloire. Bless brother Andrew. Bénis frère André. Bless. His ministry. Bénis son ministère. And give him traveling mercy. Et accompagne-le. As he's going back home. Alors qu'il retourne à la maison. All for your glory and tout honor. Cela pour ta propre gloire et ton honneur. We ask and pray. Nous avons demandé et prié. In Jesus Christ's name. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Let us give the Lord. Acclamons pour le Seigneur. Vous asseoir. The devil is in trouble. Le diable est dans les troubles. He has been trying to hide himself. Il a essayé de se cacher. But he has been exposed. Mais il a été exposé. And he is on the run. Et il est en train de fuir. He said, this place, il a dit, cet endroit, I don't want to be around. Je ne veux pas y rester. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom de l'Éternel.